Salut à toutes et à tous. C'est une très belle soirée qui Merci à s'annonce pour les deux équipes et pour le public. Pour la Ligue de Et donc pour vous, puisque les conditions de jeu sont parfaites, il fait beau. Pierre Ménès qui est à fond, à bloc, à mes côtés. Au menu aujourd'hui, une rencontre de Ligue 2 BKT, la JOCR contre Toulouse. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Qui signerait tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. L'équipe locale qui est tout simplement la meilleure attaque du championnat. C'est un élément important dans ce match. C'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. Le numéro 29, Mathias Autrain. Le numéro 21, Rémi Dugimon. Et enfin le numéro 8, Michael Le Béant. Voici le 11 de départ de la JOCR. C'est un 4-5-1 qui a été retenu. Avec un bloc équipe très dense dans les phases offensives et défensives. La composition de l'équipe toulousaine, la voici. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Alors une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Alors il va falloir 18 poumons chacun, quoi. L'arbitre qui a jeté un coup d'œil sur sa montre. Allez, c'est parti pour ces 45 premières minutes. Et puis nous, on aimerait bien avoir des buts. Birama Touré. Axel Ngando. Non, elle est interceptée cette passe. On écarte un petit peu le jeu. Ah, il fallait tacler, bien joué. Ah oui, c'est bien fait ça. Il avance balle au pied. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, il faut centrer. Une ouverture, bien sûr. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. En position idéale pour centrer. Quentin Bernard. Ça sort, ce sera une touche. Quentin Bernard. Je rappelle qu'il est cherche la faille dans la défense adverse. Oh, la bonne occasion. Et il concède le corner. Merci. Le corner en direction du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. À force de reculer, ils vont finir par perdre un ballon dans une zone dangereuse. Va-t-il parvenir à centrer? Attention, si ça rentre! Oh là 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 là, ça passe pas loin! C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu.
Mickaël Le Bihan. Axel Ngando. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Il a piqué son ballon. Ouais, il est passé. Il centre sur le défenseur. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ah, il est pas là. Axel Gando. Il faut trouver l'ouverture. Et l'attaque va s'arrêter là. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Allez, il faut centrer vite. Allez, corner. Là, voici peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette rencontre. Attention à ce corner. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Quentin Bernard. Axel Gando. Birama Touré. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Le ballon change de camp. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Ouais, il a bien lu le jeu. Allez, le centre maintenant. On cherche une solution là. Le Toulousain qui font bien circuler le ballon. Ouais, c'est pour le gardien. Et ça va donc être un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ah non, c'est mal exploité. Mickaël Le Bihan. Rémi Dugimon. Allez, il peut prendre l'espace là. Il cherche des solutions là. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Allez, l'occasion peut-être de mener. Steven Moreira. Allez, il peut y aller. Non, le cadre, il ne le trouve pas sur cette frappe. Changement pour la JOC. Il a l'air touché, j'espère que c'est pas trop grave. Il va devoir sortir, là, il n'y a plus le choix. Axel Ngando. Pour le remplacer, le numéro 7, Gauthier Ngando. Une minute de temps additionnel.
Les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire. Match qui reprend à l'instant après une première période serrée vraiment entre les deux formations. De Jäger. Mickaël Le Bihan. Rémi Dugimon. Birama Touré qui est en contact de Jäger. Les Toulousains qui font bien circuler le ballon. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Ouais, ça peut être dangereux hein, ce pressing là. Non, ça c'est pas très bien joué. La frappe. Ah, le but qui part d'un mauvais ballon, provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas, il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire, et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Oh, les images sont terribles pour la défense, cette relance, elle est carrément ridicule. Le ballon est non seulement rendu bêtement, mais en plus, là, on est à deux doigts de la passe décisive pour l'adversaire. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Rémi Dugimon. Mickaël Le Bihan. Et le ballon qui change de camp. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, il y a du monde pour reprendre. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Mickaël Le Bihan. Birama Touré. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Centre peut-être, aller. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon hein, dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers, il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Les Toulousains qui font bien circuler le ballon. Ah, il aurait dû retarder son appel. Intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire. Il essaye de trouver la faille.
Ouais, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Allez, de l'air pour les défenseurs avec ce dégagement au pied du gardien. Ruben Gabrielsen. Il donne par-dessus. Il file seul vers le but. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Non, elle est interceptée cette passe. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Quentin Bernard. Birama Touré. Ça part bien, action dangereuse. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Les supporters qui savent que ce corner est très important. Changement pour la JOC. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Hamza Chaki, remplacé par le numéro 18, François Bellegou. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Birama Touré. Rémi Dugimon. Ouais, il a du soutien. Ouais, très bon tacle. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ce sera une touche à suivre. Du mouvement au bord de la touche. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Un supporter qui donne de la voix. C'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Hein. Un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement. C'est pour le gardien. Il transmet ce ballon. Rémi Dugimon. Allez, le centre maintenant. Un série de passes très fluide là. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Les Toulousains, toujours en possession du ballon. Ils ont toujours ce but d'avance au tableau d'affichage. Koné. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oui, oui, faute absolument. Attention, la petite passe lobée. Allez, cette fois c'est la dernière, je crois. Rémi Dugimon. Chercher l'ouverture, bien sûr. Attention! Oh, le but! Plus personne n'y croyait, mais il marque! Ah, on revoit ce magnifique enchaînement, une touche de balle. Ah, c'est allé très, très vite. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste.
Allez, tout est à refaire, un but partout. But pour la GIA. Le numéro 7, Gauthier 1. Dodge Liger. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Bien visiblement, on estime que ce sera assez pour marquer au moins un but. Son confiance, ses supporters. Ouais, le ballon est perdu. Allez, s'il marquait sur ce ballon, hein, ce serait le bon moment. De Jay Higger. Allez, par-dessus. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Il est parti trop tôt, là. Il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe. Et c'est la fin, hein, du temps réglementaire sur ce score de parité.